Problème économique à Madagascar. Les opinions du professeur Roger Ralson. La crise politique que Madagascar a traversée a eu des impacts graves sur l'économie nationale. Des émissaires du Fonds monétaire international étaient de passage récemment à Madagascar et l'on attend les retombées. L'économiste de renom, le professeur Roger Ralson, s'est exprimé à ce sujet. Comme nous savons, l'EFI est la clé pour pouvoir donc bénéficier des aides de la Banque mondiale. Nous savons aussi que la directrice de FMI est très consciente donc des problèmes vécus par les pays endettés et qui sont obligés aussi de diminuer leurs dépenses de fonctionnement, surtout au niveau du social. Et j'espère donc que le gouvernement malgache, surtout les responsables, auront le courage d'expliquer aux responsables des FMI l'importance donc du déblocage des aides octroyées par ces bailleurs de fonds. Et concernant le LFR, je crois que les députés doivent s'y pencher sérieusement et voter cet LFR. Car nous savons bien qu'actuellement, des problèmes sociaux se posent, surtout au niveau des remboursements des frais médicaux et des analyses auprès des instituts, car ces derniers ne veulent plus donc entendre parler des fonctionnaires. Il est donc temps de s'y pencher sérieusement et je demande donc aux députés d'accélérer le vote de la loi des finances rectificatives et demande aussi au gouvernement de proposer ce projet de loi afin que les députés puissent la voter le plus tôt possible. D'après lui, toutes les conditions requises par les bailleurs de fonds doivent être remplies, étant donné que le pays est dans une mauvaise posture. Les dirigeants ont le devoir de poser les priorités pour que le pays puisse sortir du marasme économique, a-t-il conclu.